Yo les gars, c'est Djorkaf, j'espère que vous allez bien. Moi ça va au top de ma forme et on se retrouve pour l'épisode 7 de la carrière avec Arsenal. Comme on voit, on a un petit match avec Aston Villa pour commencer, qui sont quand même 4e du championnat. Vous, au classement, on voit qu'on est largement en tête devant Manchester City, ça fait bien plaisir. Et donc, on va aller voir tout ce qui est classement, stat équipe, etc. Aujourd'hui, match contre Aston Villa, en coupe City, en championnat encore City. Deux équipes, enfin une seule, qui ne me fait pas forcément plaisir. Et ensuite Bournemouth et je crois Southampton. Au niveau des stats équipes, on s'en fout. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les statistiques joueurs. Pour voir que Yaya Touré est le meilleur buteur juste après Benteke. Et au niveau des passeurs décisifs, on a nos trois passeurs décisifs, comme d'habitude, qui sont en tête de ce classement. Nous, on va aller voir notre effectif. Toujours Müller, Sanchez, Griezmann en attaque. La célèbre SMG. Qui fait tant plaisir. Là je voulais remplacer Coquelin, mais son petit Cazorla a été blessé, donc j'ai pas forcément eu le choix. Donc on va laisser Coquelin et on va partir face à Aston Villa les gars, pour essayer de faire une victoire et surtout marquer beaucoup de buts. Et donc c'est parti, on est au Villa Park, donc le stade d'Aston Villa. On joue contre la récente équipe de Rémy Garde. On lui souhaite bonne chance avec Aston Villa, mais ça va être compliqué. Coquelin directement, qui est face au, pas face au cage mais dans le cœur du jeu, qui va la mettre pour Antoine Griezmann. Griezmann, la frappe de Griezmann, bien trop molle pour inquiéter le gardien. Là ça continue encore avec Francis Coquelin, qui la met pour Müller. Müller face au cage tout seul, il rate son face à face, il se fait tacler par derrière, l'arbitre ne bronche pas. Là ça part avec Rosé Gaïa, le nouvel arrivant, pour Ramsey. Ramsey qui la met pour Müller. Müller encore face au cage, Müller. Et la belle parade du gardien, encore une fois une frappe un peu molle, je sais pas ce que j'ai avec les frappes molles. Et donc là c'est Veretout qui perce Koscielny, la frappe de Veretout et pas juste à côté les gars. Donc voilà le cadre qui se dérobe pour Jordan Veretout, le récent Villans. Oui, mon anglais laisse à désirer. Et donc là c'est Antoine Griezmann qui la met encore une fois beaucoup trop mollement sur la gauche du gardien. Et là c'est Coquelin qui la met pour Alexis Sanchez dans la 87e minute de jeu. Sanchez qui prend le ballon, la frappe de Sanchez et ça fait but. 1-0 à la 87e minute de jeu. Je vais pas vous mentir, c'est le but de la victoire les gars. Il n'y aura plus aucune action parce qu'ils vont célébrer pendant 20 minutes les gars, je peux vous l'assurer. J'ai bien célébré longtemps parce que j'étais heureux vraiment de marquer ce but. Bon, il y a un contre favorable etc, mais bon, on a largement dominé le match. C'est une victoire 100% méritée. Au vu des statistiques, vous voyez qu'Aston Villa, à part la frappe de Veretout, ils n'ont rien fait. Et nous on a vraiment poussé, on n'avait pas forcément le ballon, mais on a tout fait pour. Et donc on s'impose donc 1-0 face aux Villans d'Aston Villa, l'équipe de Fatmat. Donc là, je sais pas ce qu'on va faire. Oui, là, je suis sur l'effectif. Ah oui, j'ai remanié mon effectif pour le match face à Manchester City en coupe. J'ai mis que les remplaçants, hein. Welbeck, Walcott, Ramsey, Arteta, Wilshere, Oxlade-Chamberlain. Donc voilà, j'ai fait tourner l'effectif. J'ai même mis Ospina au cage. Et on va voir si on va réussir à s'imposer en coupe face à Manchester City. Carton rouge pour Arteta dès le début du match. Mais juste après, Jack Wilshere, on va dire un sursaut d'orgueil qui marque à la 27e minute de jeu. Donc là le match continue, 55e, toujours pas de but. Et Oxlade qui vient délivrer Arsenal d'un but salvateur. 2-0 pour l'instant pour Arsenal face à Manchester City. L'avance est faite, la victoire est faite. On s'impose donc 2-0 face à City en coupe. Là on a un match en championnat face à City. Vous savez que les matchs face à grosses équipes c'est en champion. Donc les gars j'ai joué en champion ce match en espérant qu'on va le remporter. J'ai d'ailleurs remis l'équipe titulaire les gars. On va voir ce que ça donne. Moi, je crois vraiment que cette équipe-là peut faire du sale. Et donc là, directement, Demichelis qui l'a empoyé à Touré. Touré qui se retourne. La frappe de Touré, le meilleur buteur du championnat qui bute sur Petrosec. Et là, on décide de faire quelques petits changements. On est déjà, je crois, après la mi-temps. Je fais rentrer Walcott, je fais rentrer Oxlade parce qu'on n'y arrive pas. Peut-être que ces changements vont me pénaliser. En tout cas, toujours 0-0 et ça ne me convient pas. On est quand même chez nous et on n'arrive pas à gagner. Là, De Bruyne qui déborde. De Bruyne qui l'a pour Touré. Touré, la passe, elle est belle pour Bonny. Et oui, Bonny. Voilà. On se prend un petit but. 1-0 pour Manchester City, on n'y croyait pas et finalement il est bien là, le but de Bonny. Voilà, bon, très, je dirais pas chanceux parce que le but est bien placé. Mais vraiment, voilà, un beau tir et Petrosec ne peut rien faire parce que la frappe elle est magnifique. Voilà, je suis désolé, elle rentre en poteau rentrant, très dur à arrêter, elle est plutôt tendue. Et là encore une fois, voilà, Nasri. J'ai juste à dire Nasri parce que Nasri vient de faire du Nasri, il vient de faire un éclair de génie. Parce que là clairement on peut rien faire sur une demi-volée. Normalement tu te dis va contrôler, donc je lui laisse un peu l'espace pour qu'il puisse contrôler et que je puisse récupérer derrière. Malheureusement il tire juste derrière. Et voilà, c'était sur un corner, vous voyez ça. Et là Nasri direct, il se pose pas de question, il frappe. Petrosec ne peut rien faire. Je vous ai laissé le deuxième ralenti pour bien voir que la frappe était magnifique et qu'elle rongeait vraiment le poteau. Donc voilà, on perd 2-0 face à City. Notre première défaite de la saison. J'essayais de faire un peu comme pour ceux qui connaissent les Invincibles.
de Thierry Henry. Malheureusement, j'ai pas réussi. On a une équipe encore un peu trop faible, je pense, qui gagnera en expérience et pourrait peut-être battre ce record des invincibles. Donc voilà, là on joue contre Southampton, le troisième match de l'épisode, en espérant peut-être faire quelque chose. Là on joue en champion, je crois. Donc voilà, Aaron Ramsey directement qui déborde, qui va essayer de tirer. Mais non, il a la lucidité de revenir en arrière. La frappe, je pensais pas qu'elle allait rentrer. Elle passe entre les deux défenseurs, ça fait but. Un but à zéro, la 12e minute de jeu. Je ne croyais vraiment pas qu'on allait marquer, vraiment les gars. Le but de Sanchez, il est magnifique parce que il arrive bien à la mettre entre les deux joueurs. Il est vraiment lucide pour revenir en arrière. Il sait qu'il va pas marquer, donc il revient. Et là, la frappe, boum, entre les... Elle passe entre les jambes d'ailleurs. Donc voilà, très beau but. Là, c'est Wilshere qui va la décaler pour Müller. Müller qui va réussir peut-être à frapper. Mais Sanchez derrière la retournée. Acrobatique qui passe largement à côté. Là, c'est Steven Davis, le trentenaire, qui va déborder sur le côté pour la tête de Wanyama. Victor Wanyama qui bute encore une fois sur un terrible Petrosec. Et là, c'est récupéré Thomas Müller qui sert magnifiquement Alexis Sanchez, peut-être pour une passe décisive pour Müller. Et oui, but de Sanchez de l'intérieur du pied. Voilà, une magnifique enroulée. Petit filet, c'est ça spécial, vous le connaissez, le Sanchez. Il ne rate pas ce genre d'occasion, vous le connaissez très bien. Donc voilà, c'est transformé Müller en pivot comme d'habitude, qui sert magnifiquement Alexis et Alexis qui finit. Donc voilà, 2 buts à 0 face à Southampton, le match semblait gagné. Mais là, comme un con, je me relance mal. Yoshida qui l'a mis pour Davis, Davis pour Graziano Pelé, la frappe de Pelé. 2 buts à 1 face à Southampton. Ils reviennent à la 84e minute de jeu, ils sont chez eux, il va falloir faire très gaffe à pas qu'ils reviennent parce que sincèrement, ça peut faire très mal un retour de Southampton. Mais malheureusement pour eux, ils ne réussiront pas et nous, on s'impose. Ils dominaient pourtant le match largement, mais j'ai réussi à être plus opportuniste qu'eux. Et ça me fait plaisir peut-être dû à la qualité de nos joueurs. Donc là, j'ai décidé de vous faire un petit entraînement, voilà, parce que vous avez envie de les voir, ces entraînements. Donc j'en fais un par épisode, pas plus. Sinon, je les fais hein, tout le temps, les entraînements. Mais bon, là, je vous les montre pas toujours. Donc voilà, gros entraînement sur Griezmann, c'est à peu près la pépite de l'effectif, on va dire. C'est le joueur que j'ai vraiment envie de faire monter. Ensuite, on fait monter Francisco Klein, je crois que j'ai mis Laporte et Gaïa aussi. Voilà, donc tous les joueurs que j'ai recrutés, les joueurs qui sont intéressants, en plus de Coquelin. Coquelin qui a besoin de progresser parce qu'en ce moment, il est titulaire dû à la blessure de Santi Cazorla. Donc voilà, là, on va entraîner nos petits joueurs tranquillement et on va voir qu'il y a plutôt de bons résultats dans l'ensemble, hein, notamment Laporte et Coquelin qui ont bien progressé, ça fait plaisir. Et donc là, dernier match de l'épisode face à Bournemouth, on doit s'imposer. Là, le match, je l'ai mis en champion parce que j'avais un peu la confiance, si vous voyez, que finalement, bah, j'aurais peut-être pas dû. Donc voilà, on commence directement ce match avec un petit engagement des familles face à Bournemouth. On est chez nous. Mais voilà, pour l'instant, jouer à domicile ou à l'extérieur, ça n'a aucune différence. Là, la frappe, elle est tendue de Harter, mais bien captée par le terrible Petrosec. Là, on est à la 60e minute de jeu. Il n'y a pas eu de but, il n'y a eu aucune occasion. Il y a eu un tir pour l'instant dans le match, un tir pour Bournemouth, le tir que vous venez de voir. Et sinon, c'est toujours un match nul tout pété. Donc, je décide de faire entrer mon trio d'attaque, mon trio de choc. Sanchez, Müller et Griezmann. Et là, directement, Müller qui frappe. Et derrière, c'est Ramsey, la frappe! Double parade magnifique du gardien, les gars. 87e minute de jeu, on n'arrive à rien dans ce match. Et là, c'est José Calla. José Calla, l'Espagnol, qui la met pour Wilshere. Wilshere qui la décale pour Hector Bellerin. La frappe de Bellerin enroulée. C'est le golasso. 1 but à 0 pour Arsenal face à Bournemouth, les gars. Voilà, 90e minute, plus 2 en prolongation. On marque donc un but salvateur avec le terrible Hector Bellerin. Voilà, le plat du pied, il est magnifique. Il arrive en petit filet. C'est ce qu'on veut voir, j'ai le nez bouché, mais je me tue à vous commenter ce match. Voilà, donc on s'impose 1 but à 0, il n'y aura eu aucune action. Comme vous voyez au niveau des statistiques, ils ont eu le ballon, ils ont eu les frappes, ils ont tout eu. Et c'est Hector Bellerin, le meilleur homme du match, avec seulement 6,9 en note. J'ai rarement vu ça, les gars. Donc voilà, c'est tout pour cet épisode. On a joué 4 matchs, les gars, c'est déjà pas mal et c'est déjà très intéressant. Au prochain épisode, on aura de nombreux matchs, les gars, notamment pas mal de matchs de coupe. J'ai cru voir notamment contre Liverpool, si je ne me trompe pas. Voilà, juste ici. On aura quand même 3 matchs face à Liverpool au prochain épisode. On va essayer de tout jouer les gars, je suis déterminé. Au niveau mercato du hivernal, bah, proposez-moi quelques petits joueurs, ça me ferait extrêmement plaisir. Notamment pour faire tourner les gars. On va aller voir, je voulais aller voir statistiques etc. Mais je me suis dit que je vous montrerai ça au prochain épisode. Au niveau du rapport d'équipe, comme d'habitude, je suis en train de m'étirer. Des familles. On a donc pas mal de joueurs qui ont pris des plus 2, notamment René Aldalid, que j'avais fait jouer au dernier match. Donc voilà les gars, c'est tout pour cet épisode qui termine dans la fatigue, dans la maladie et dans la fragilité. J'espère que ça ira mieux au prochain épisode pour ma santé. C'était Joe. J'espère que vous allez hyper bien, les gars. Bye tout le monde.